Bonsoir à tous, bienvenue à vous qui êtes présents ici dans cette salle et puis bienvenue aussi à vous qui nous rejoignez via Internet puisque cette soirée est filmée en direct sur YouTube. Vous êtes certainement surpris de l'absence de M. Thomas Guédier qui est postulateur de la cause de Marcel Callot et qui est également directeur de l'Institut de formation théologique. Il en est sincèrement désolé, mais en tant qu'expert de Saint-François de Sales, pour lequel il a récemment réalisé une thèse, il est en ce moment même à Lyon et il va intervenir demain matin dans le cadre d'un colloque sur François de Sales. Donc, problème de calendrier. Mais rassurez-vous, il sera présent lors des deux prochaines soirées, c'est-à-dire le mercredi 1er décembre et puis le mercredi 8 décembre. Pour cette première soirée d'approfondissement de la pensée du bienheureux Marcel Callot, après les interventions, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de poser quelques questions. Il y aura un petit temps de prévu pour cela. Et bien évidemment, vous qui nous rejoignez également par Internet, vous aurez la possibilité aussi de poser ces questions. La fin de la soirée est prévue vers 22h. Je me permets aussi de vous informer qu'il y a une boîte, il y en a même deux, à l'entrée. Et vous pouvez éventuellement y déposer votre bol lorsque vous partirez afin de contribuer aux frais qui sont occasionnés par tout simplement l'organisation de cette soirée. Donc d'avance, un très grand merci. Nous allons débuter par une courte présentation biographique de Marcel Callot qui va être assurée par M. Ploteau, qui est secondé par Mme Anne-Sophie Housset, accompagnatrice de la JEC. M. Ploteau, 78 ans depuis peu, vous avez été militant et responsable de la JEUCiste dans les années 60. Vous avez participé à des recherches et à des rencontres sur Marcel Callot. Et à ce titre, vous allez nous présenter une partie de cette mémoire recueillie. Vous êtes un passeur de mémoire. Par ailleurs, M. Ploteau, vous êtes aussi responsable départemental d'une association d'anciens combattants et victimes. Pour cette soirée, vous allez nous parler de l'enfance et de la vie de Marcel Callot jusqu'en 1939. C'est à vous. J'enlève mon masque. Oui, bonsoir cher père et bonsoir à tous. Donc, si vous voulez, nous allons parler de ce bienheureux Marcel Callot. Comme nous l'avons dit, c'est un... J'ai regardé cette affaire, cette vie de Marcel Callot qui s'inscrit dans l'histoire peu connue hein, de notre département et puis aussi dans notre histoire, dans l'histoire de l'Église et aussi dans l'histoire de France. Hein. Nous verrons pourquoi. Dans l'histoire de France, je dis ça, l'histoire de l'Europe aussi et du monde. C'est assez important. Donc, sans attendre, nous allons un peu parler de ce bienheureux Marcel Callot. Et en soi, tout ce qui a pu penser tout au long de sa vie, qui ira jusqu'à son martyr. Martyr, comme vous le savez, à Montauzet. Donc il était né à Rennes le 6 décembre 1921 et déporté au camp nazi de Mauthausen, Gusen II, où il succombe le 19 mars 1945. Donc Marcel Callot a été, vous le savez tous, béatifié le 4 octobre 1987. Donc, au nom de l'Église catholique, le pape Jean-Paul II l'a nommé bienheureux. Alors, j'ai découvert cela un petit peu, c'est qu'il est assez connu, ce Marcel. En France, en Autriche, en Allemagne, au Portugal, en Europe, Amérique, Afrique, des rues, des places, des églises portent son nom. Bon, là, on voit à Rennes l'église Saint-Yves, la paroisse Marcel Callot. Et, par exemple aussi, c'est un citoyen de Rennes. Là, on voit la rue Marcel Callot, dans la zone sud-est de Rennes, hein, mort en déportation, béatifié. Sa résistance
aussi au niveau de comme citoyen, sa résistance à l'idéologie nazie est aujourd'hui largement reconnue. Là, on voit des extraits des panneaux de l'exposition de la résistance d'Ille-et-Vilaine, et là où une partie du panneau est dédiée à Marcel Callot. Également, on va ensuite, voilà, comme un journal qu'ils avaient fait au niveau de Rennes. Donc, il rentre. Pourquoi différentes personnes parlent de lui, c'est-à-dire différents historiens également, c'est qu'il fait partie des gens qui ont résisté à l'idéologie nazie. Comme par exemple Geneviève de Gaulle-Antonios, une rennaise aussi, qui a été la présidente d'ATD Quart-Monde. Hein, et lui-même, je crois les historiens sont d'accord un peu avec nous, c'est-à-dire qu'il fait partie de ce qu'on appelle la résistance spirituelle. C'est un terme important et je crois qu'il faut le garder en mémoire. Donc, on passe à la suite. Alors là, c'est bon, pas de petite affaire. C'est en Allemagne, lors d'un voyage que nous avions fait avec les amis de Marcel Callot à Erlangen, ville jumelée avec Rennes. Si vous connaissez mieux l'allemand que moi, vous verrez Erdefour. C'est-à-dire, c'est la croix de Marcel Callot. Chose intéressante, là on voit Élie et Janine Chevrel, puis nous autres là qui étions avec nos amis d'Erlangen et les catholiques de Bavière, les Slovaques également. Pour quelle raison, et qui me semble importante à signaler, c'est que Madeleine, une amie là qui a pris la photo, avait été chercher dans le jardin de Marcel Callot à Rennes, dans l'ancien jardin où il habitait, un peu de terre qui a été mis à l'intérieur d'une croix fait avec des Messerschmitt allemands. Et là, à l'instant, on a déposé cette terre à l'intérieur de cette croix, symbolique aussi de l'amitié que veulent faire passer les Allemands qui regardent cette guerre et tous ces malheurs, et un symbole de paix, bien sûr, entre nos deux villes, mais également entre la France, l'Allemagne et le monde. Alors, on parle de lui aussi au Portugal, là. Dom Manuel Clemente, évêque de Porto, elle fait beaucoup d'émissions, m'a-t-on dit, à la télévision portugaise pour évoquer Marcel Callot. Et même, les Portugais, les jeunes Portugais qui sont venus, puis ils sont venus où, là ? C'est à la maison diocésaine, là, ici. On voit bien les marches, hein, tous ces gens bien sympathiques qui viennent pour parler, pour voir Marcel Callot. Je leur avais fait voir une partie des documents que vous allez voir. Donc, sur PowerPoint, on passe au suivant. Alors voilà, c'est pour dire, lorsque quelqu'un meurt, souvent, il y a différentes personnes qui parlent de lui. Et là, on a trouvé différentes personnes parmi le grand nombre qui l'ont connu, parce que s'il avait l'âge de notre grand-père, il est quand même assez présent. Donc là, on voit trois personnes différentes qui s'étaient rassemblées. Une fois, pour parler de lui, je crois que c'était à l'Assomption, ça fait longtemps. Je ne sais pas, je n'étais pas là, moi, personnellement. Donc là, on voit Jean Callot, son frère, le père Robert Favret, c'est l'ancien aumônier chaussiste de ma jeunesse. Après, ce sera l'abbé Favret et Jean Chenet, mais ancien chaussiste, ouvrier, typographe, c'est un ami de Marcel Callot. Oh, Marcel Callot, c'était un peu son idole, il en parlait sans arrêt, hein, Marcel. Et pourquoi n'est-il pas béatifié ? Ça lui prenait à cœur. Et bien sûr, il était on ne peut plus heureux lorsqu'il a pris cette nouvelle. Jean Coursier, alors lui, militant, bien sûr curieux, parce qu'il faisait partie des cheminots rennais, hein, militant CGT, il faisait à l'époque partie des jeunes communistes, résistants. C'est souvent ceux qui ont vu, qu'on retrouve dans la bataille du rail, vous savez, le film de René Clément, qui sont partis tout de suite, dès 1940, en résistance, le pauvre ami avait été emprisonné à Rennes par la police française. Il sera déporté lui aussi après une longue période de prison à Mauthausen. Pourquoi lui aussi ? C'est qu'il était un des derniers à se confier et à nous parler de Marcel à Mauthausen, où ils ont partagé la même chambre. Une autre personne qui a parlé de lui, c'est Martin Schrems. C'est un professeur, il était professeur en théologie. Et c'était le curé de la paroisse Marcel Callot à Linz, près de Mauthausen, en Autriche.
il nous a apporté beaucoup de renseignements sur justement le nazisme et l'attitude des Autrichiens, hein, dont on parle souvent des Allemands, mais l'Autriche était aussi dans ce Reich nazi. Et en plus, c'est un professeur brillant. Ce pauvre garçon est mort à 40 ans. On l'a revu, la dernière fois on l'a revu, il était aux obsèques de Jean Callot. C'est vraiment avec beaucoup de tristesse que je parle de lui. Également, une autre qui est décédée, bien c'est le brave frère de Marcel Callot, le père Jean Callot. Il était né à Rennes en 20, ordonné prêtre en 43. Et ce brave ami est décédé le 12 mai 2011. Il m'avait demandé d'aller à la communauté de Rillé parce que un peu gêné quand on parle de sa propre famille. Alors, on est retourné, je suis retourné il y a 3 ans, pour parler avec des amis de la JOC, pour parler à la communauté de Rillé, justement, de Marcel Callot, où les braves sœurs nous ont bien sûr été, on ne peut plus intéressés par cette vie. Donc, à la fois, je crois qu'il faut saluer ses frères, ses sœurs, ses frères, toute la famille. J'ai marqué à l'instant, je crois, est-ce qu'on va les voir, ces gens? Oui, les voilà. Ben, le voilà, toute cette famille. Il y avait eu 9 enfants, hein, qui est décédé. On voit le père Callot, je vais regarder mes notes parce que j'ai peur de me tromper dans les prénoms. Donc, toute la petite famille était là. Cette image a été en 1937. Alors, on voit Marcel avec ses parents. Ses 6 sœurs, ses 2 frères. Alors, Jean Callot d'un vu prêtre. Marcel avait 16 ans. Marie-Madeleine, nous en parlerons la prochaine fois, qui a eu une fin tragique. Marie-Thérèse, qui était décédée à 7 mois, donc n'est pas là. Alors, les jeunes plus connus. Marie-Thérèse, Yvonne Lemel, Paul Callot-Guimau et les petites jumelles, Marie-Bernadette, Anne-Marie Lerouzic, qui est toujours parmi nous. Le petit dernier aussi, Michel, un chic garçon qu'on a connu, qui est mort dernièrement, qui nous a quittés. Il était beaucoup plus grand que moi, et beaucoup plus grand, bien sûr. Et là, on le voit quand il était tout jeune. C'était le dernier de la famille. Des très chics personnes. Comme on est sur YouTube, là, je voudrais... saluer la mémoire de toute cette famille qui a vraiment porté à cœur leurs frères. Ils ne se sont pas souvent exprimés, mais ils ont toujours eu l'histoire de leurs frères à cœur. Et peut-être qu'une partie des 2 sœurs, toujours vivantes, sera parmi nous soit pour un autre débat, mais aussi également pour les autres célébrations qui auront lieu. Et une partie des 21 nièces et neveux qui seront, je ne sais pas s'ils viendront tous les 21, mais en tous les cas, qui viendront pour ce 100e anniversaire. Donc vous voyez, Marcel Callot, c'est un garçon de chez nous, sans chauvinisme. Donc, rue Saint-Malo, ben là on voit le quartier où était Marcel Callot, une vieille rue de Rennes, avec des cafés. Les ruraux étaient un peu surpris, comme la famille Callot qui venait du Finistère, là, du milieu rural, par cette vie rennaise, à la vie urbaine. On n'était pas spécialement habitué à la vie urbaine. C'était un peu des ruraux ouvriers, on dirait. Les prêtres aussi venus du monde du rural n'étaient pas souvent très à l'aise, hein, au milieu de ces milieux urbains. Moi, qui étais un gosse de la ville, un fils d'ouvrier, ben, on était très à l'aise dans ces cafés où il y avait des bars où je chantais très, très populaire. Je crois qu'il y avait à peu près rue Saint-Malo 40, 50 cafés qui étaient là, où les gens se retrouvaient le soir. C'était la vie urbaine, c'était les époques. Celle où j'ai vécu dans ma jeunesse ressemblait un peu à celle-ci. Alors, là également, on passe un petit peu à la suivante. Merci. Ben voilà, c'était le quartier où il était. On voit l'église Sainte-Anne, la place étale d'église Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Oui, 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 c'est tout au fond, vous allez le voir. Tout à fond, on va voir après. Non, on va voir après. Tout au fond, hein. C'est pour nous situer. Cet endroit-là se trouverait dans les prairies Saint-Martin, hein, pour les Rennais qui connaissent. Dites-nous. Oui. Et on a photographié les derniers événements.
le groupe devant l'ancienne maison de Marcel Callot. Ah. Et c'est pas du tout les images. Alors c'est très bien, non, mais j'ai pu trouver que des images, excusez-moi, de POC de Wikiren. Hein. Oui. Oui, oui. Voilà. Non, mais j'explique là l'époque où j'ai pris justement pour situer un peu ce quartier. Pour des raisons de timing, je suis un peu. Dans ce quartier de Rennes, il y avait les lavandières justement, hein, qui se trouvaient là. C'était un peu la vie rennaise là, où les personnels allaient. Des personnes souvent qui allaient laver leur linge, hein, parce qu'il fallait reconnaître que dans les familles ouvrières, eh bien, hein, on avait un robinet pour 3 ou 4 personnes. Ou, voilà. Les personnes, ils les lavaient pour eux, ou peut-être pour des maisons plus riches, où ils étaient payés avec quelques pièces parfois. C'était la vie aussi ouvrière de ce quartier. Donc, la place Sainte-Anne en 1900, vous voyez qu'elle a beaucoup changé avec les Jacobins, on passe, et voilà, elle est un peu plus récente encore qu'elle a changé. Donc c'est dans cette paroisse que la famille Callot était très pratiquante. On continue. Alors voilà Marcel et Marie-Madeleine, l'une de ses sœurs. Alors leur père Jean-Marie était ouvrier, il était ouvrier au pont des chaussées. Marie-Joseph, la maman, avait été employée de maison. Elle travaillait au foyer, bien sûr, aidée par ses enfants et son mari, parce que 8 enfants, c'est quand même très dur à... Hein, très très dur à manager maintenant, mais à suivre. Donc voilà, ça c'est l'école Sainte-Anne à Rennes, qui est aujourd'hui l'école Marcel Callot. Et voilà où était, où apprenait Marcel. On continue. Ah, la première communion en mai 32. Le voilà, tout mignon, tout gentil. Il avait fait, je crois, sa première communion à l'école Sainte-Anne. Ensuite, Marcel servait la messe régulièrement. On en parlera avec le Mège, là, parce que c'était un acte de courage, parce qu'à ce moment-là, aller à la messe le matin, il fallait communier, et bien ça demandait un gros, gros, gros effort. Hein, c'était vraiment un engagement de sa part. Hein, beaucoup étaient contents, ça a été mon cas, d'aller pour décorer les jours de grandes fêtes, mais par contre, pour aller régulièrement, c'était plus dur. Je passe, voilà. Alors là, c'est Marcel Callot, bien c'est Marcel Callot, scout de France. À son adolescence, il entre dans le scoutisme de 1933 à 1936 et Marcel fit sa promesse scout, si je ne me suis pas trompé, le 18 juin 1934. On lui confia des responsabilités. Là, on revoit notre ami Marcel. Il découvrait là l'esprit d'équipe, une autre dimension de sa foi chrétienne. Vous nous en parlerez peut-être plus précisément. Mais ce que j'ai voulu, là, ce que j'ai tenu quand même ce soir à rappeler, c'est les 50 autres martyrs en Allemagne. Nous allons en parler plus à la fin, lors du troisième rendez-vous que nous aurons. Mais parmi les 50 autres martyrs condamnés pour action catholique en Allemagne, j'ai pris le nom de nombreux scouts. La plupart, toute une série était à Buchenwald. Ils se trouvaient la plupart en Rhénanie-Ruhr. Hein, on voit tous ces gens. Le premier qui était connu, c'est Anglès d'Aurillac, hein, qui avait été décapité. Lui, c'était il avait été en mai 1944. Quelque chose que je dis, la vie de chacune de ces personnes, comme des chaussistes, comme des prêtres, qui ont été, mériterait à chacun d'être peut-être connu. Je pense mieux connu parce que chacun aussi, comme Marcel Callot, une histoire spécifique. Entrée au travail. Alors, nous revenons à Marcel. Entrée au travail comme apprenti à 13 ans. Oui, les gens ont l'air un peu surpris. Ben oui, c'était comme ça. Les fils d'ouvriers, certificat d'études primaires à 12 ans, en juin 1933, à cette époque, dans les familles ouvrières, ont continué rarement leurs études. Je dis que moi-même, ben, quand on était jusqu'à 16 ans, 17 ans à l'école, même pour moi, ben, c'était déjà bien. Hein. Encore aujourd'hui, il y a très peu de fils d'ouvriers, de moins, qui vont à l'enseignement public. Je crois que le chiffre a diminué. C'était 10 dans ma jeunesse, maintenant c'est 8 ou 6%. Donc, les jeunes n'allaient pas... Donc, lui était rentré, on va voir ça, en apprentissage, hein, à la maison d'imprimerie PO, qui était rue du Pré-Beauté, à Rennes. La rue du Pré-Beauté, j'habitais pas loin, ça se trouve derrière le palais du commerce. Donc,
Eh bien, une photo, une image assez curieuse, là, sur un code que m'a donné un ami. Il n'a pas voulu, la famille n'a pas voulu enlever la photo du code, parce qu'elle y tient beaucoup. Donc, on voit notre Marcel Callot. Ça casse un peu une image un peu qui a un peu choqué même Robert Fabré et puis les personnes qui l'ont connu et les biographes. C'est-à-dire qu'on le présente comme un garçon sec, dur, pas tellement figé. Non, c'est un garçon sympa, rieur, marrant. On le voit souvent en conflit avec, on le passe souvent de lui en conflit avec ses camarades de travail. Bon, là, c'est une image de fait, mais de fait, selon ses amis, c'était un garçon qui aimait blaguer, qui aimait rire, qui aimait la vie. Alors, Marcel s'appliquait à bien apprendre son métier, un métier très technique. On disait dans le temps que l'imprimerie faisait partie de l'aristocratie de la classe ouvrière. C'était des gens très précis. On dirait maintenant que c'était des techniciens. Son apprentissage terminé, il devint vite un très bon ouvrier. Une petite précision qui m'a été donnée, c'est que par exemple, il aurait réussi à apprendre. La typographie était très 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 dure, très technique. Et il avait même le grec ancien, il avait maîtrisé le grec ancien pour imprimer en grec ancien. Donc c'était un très très bon compagnon. À l'atelier, ses camarades le trouvaient d'abord un peu timide. Bon, ils appréciaient vite ce camarade joyeux et sympathique. Alors, on va quand même le revoir ici, si tu veux. Un petit peu avant, Marcel, alors on lui a donné des fois des prénoms, alors j'ai entendu dans certaines rencontres, oh oui, on l'appelait Jésus, ses copains se moquaient de lui, c'est mal connaître les milieux populaires de cette époque, ou même parfois maintenant, les milieux ouvriers, on se blaguait, on se donnait des surnoms, donc lui, à un moment donné, on l'appelait Jésus, c'est vrai qu'il insistait beaucoup pour, par exemple, que le vendredi, il y ait des... que le vendredi saint soit férié, et des choses comme ça. Il disait sa prière devant. Automatiquement, on l'appelait Jésus. On l'appelait aussi Mikado. Mikado. Mikado, pourquoi ? Parce que c'était le nom de l'empereur du Japon. Et puis, avec ses lunettes, il trouvait sympa. Alors, il l'appelait Mikado. Ouais. Alors, ils appréciaient vite ce camarade aussi, tout au long, qui était joyeux, sympathique. Et alors, il découvrit en 1935 la JOC. La JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Là, il réfléchissait, militait, il agissait dans son quartier, dans son entreprise. On voit là une sortie en mer de la JOC, Marcel, avec les jeunes du quartier. On va passer vite. Alors, lors de la remise d'un signe chaussiste, j'ai relevé la prière qu'écrivit Marcel Callot en 1938. Je veux dire de plus en plus. C'est lui-même qui l'avait écrit. Hein, c'était chacun à la JOC, chacun rédigeait son propre engagement. Je veux devenir de plus en plus, dans la jeunesse ouvrière, un guide, un militant fier, pur et joyeux. D'un cœur débordant d'amour pour mes frères, je veux gagner les jeunes travailleurs. En toi, Jésus, je veux prier. Avec toi, je veux prier. Je veux vivre, excusez-moi. Avec toi, je veux prier. Pour toi, je veux donner toutes mes forces et tout mon temps dans toutes les circonstances de ma vie. Des biographes ont marqué le nombre de fois qu'il disait « je veux ». C'est sympathique, c'est un garçon qui avait de l'autorité. On voit aussi comment qu'il était profondément engagé. La JOC, pourquoi ? Parce que, certains vous le connaissent, mais pas tous, en 1925 en Belgique, le père Cardin avait fondé avec les jeunes la JOC. Le père Cardin... le père Cardin était un militant très solide, très dévoué. Il avait, et un de ses thèmes qu'il avait redonné, un petit détail quand même que je vais donner, il avait juré près de son père qu'il ne trahirait jamais la classe ouvrière. En effet, il venait de Belgique, dans un milieu où bien, on n'aimait pas trop la hiérarchie catholique, qui était trop proche du patronat. Mais, il avait juré près de son père que jamais il ne trahirait le monde ouvrier, jamais il ne trahirait la classe ouvrière. Donc il rassemblait de plus en plus les jeunes. La JOC arrivait. Ces jeunes voulaient notamment que la dignité de chacune et de chacun soit reconnue. En France, l'action catholique avait pris un nouveau visage, c'est-à-dire qu'être chrétien de présent au cœur de la vie, depuis 1927, la JOC s'était créée en France sous l'impulsion du père Guérin. Voir, juger, agir,
un véritable mouvement de jeunes animé par les jeunes travailleurs eux-mêmes. La matière, puis 11, il faut remarquer que ce n'était pas un mouvement marginal, la JOC. Elle était dans l'Église, elle était dans le mouvement de cette Église que voulait le pape Pie XI. La matière sort en oblit de l'Église, l'ouvrier en sort avili et démoralisé. Commencer un peu comme Léon XIII à poser des questions sur le monde ouvrier. Ce pape Pie XI encourageait à porter son soutien donc la JOC en 1925, la JAC, la JOC Jeunesse Ouvrière Chrétienne, la JAC, Jeunesse Agricole Catholique, en 1929, la JEC, Jeunesse Étudiante Chrétienne, les JMC, la Jeunesse Maritime Catholique, la JIC, la Jeunesse Indépendante Chrétienne, qui étaient encore tous présents, la JAC était devenue le MRJC. La JOC, vous le verrez ici, était présente dans tout le mouvement international, je l'ai vu lors des documents qui ont été vus, sur Bruxelles, août 1935. Il y avait présent, dont, je le signale quand même au passage, les colonies. Dès 1935, la situation des drames dans les pays colonisés était évoquée, ce qui était très rare en France à cette période. Le porte-parole des colonies avait remarqué justement la vie qui se déroulait dans ces pays, dans l'État africain, par exemple, pour construire ce fameux train. Donc, cette attention qui était portée à l'internationalisme, aux pauvres, aux gens qu'on appelait à l'époque des colonies, était vraiment importante. Ici, nous allons aller vite. Rennes, c'est à Rennes. Premier, un cœur chantier. On voit la parité. Hein, très, très bien. Là. Les jeunes, les garçons, les filles, bien habillés tous, et qui parlent, qui chantent pour le premier mai. Et puis, c'est le grand rassemblement, juillet 37, 85 000 jeunes à Paris avec la JOC. Avec la JOC, Marcel participe à ce grand rassemblement national au Parc des Princes, où on chantait « Fort de nos droits, soyons vaillants, fiers purs, joyeux et conquérants, jociste en avant. » Alors c'était là, c'était là. Or, Paris 37, Père Cardin avait leur donné, je vais essayer de on va passer, un message qui s'avélera prophétique. On passe, si tu veux. Il faudra des martyrs. Il avait vu ce monde, comme beaucoup, qui était en train, nous allons revenir dans la seconde partie, ce monde qui est en train de bouger, qui allait vers une crise énorme. J'insiste, cette tâche immense, il faudra des apôtres, vous serez des apôtres. Il faudra des martyrs, vous serez des martyrs. Il faudra des saints, vous serez des saints. Alors, la JOC confie à Marcel plus de responsabilités à 17 ans 38, et bien il devient le responsable de la section JOC, jeune, de Saint-Aubin à Rennes. Et puis, on verra ça la prochaine fois, la crise mondiale, le chômage, l'inflation, la misère avaient gagné l'Allemagne comme beaucoup de pays dans le monde. C'est des illustrations allemandes de l'époque. Et, si tu veux, on va passer... Les idées de racisme, de haine, de guerre progressent en Europe. En 1932, les nazis avaient pris le pouvoir en Allemagne. La menace d'une nouvelle guerre mondiale se précisait. Pour la JOC, il fallait faire reculer la guerre, faire avancer dans le monde entier la vraie fraternité. Merci de votre attention. Nous continuerons la suite, bien sûr, si vous le voulez. Lors des deux prochaines sessions. Merci de votre attention et je laisse la place. Un très grand merci, Monsieur Pleutot, pour votre présentation. Effectivement, vous poursuivrez la semaine prochaine avec une immersion dans les années 39-40 jusqu'en 1943. Et votre dernière partie sera consacrée à la vie de Marcel en Allemagne. Père de Verchères, vous allez maintenant prendre la parole. Vous êtes lyonnais d'origine, aîné d'une famille de 4 enfants, et vous êtes, depuis 2020, aumônier général des scouts et des guides de France. Vous avez été ordonné prêtre en 2009, et vous êtes membre de l'Ordre des Salésiens de Don Bosco depuis 2002. Ingénieur de formation, vous avez passé plusieurs années en Afrique, en particulier en République de Côte d'Ivoire, au Togo et au Tchad, comme coopérant, puis comme missionnaire. Vous êtes scout depuis l'âge de 7 ans et vous nous avez confié que c'était l'une de vos grandes passions.
Vous allez maintenant nous permettre de comprendre comment les écrits, enfin certains écrits de Marcel Callot, vous allez certainement nous les citer, peuvent consonner avec ce que vivent aujourd'hui les scouts et les guides de France, et puis aussi comment ils peuvent les interpeller. Merci. Merci. Bonsoir à tous. Enfin, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour méditer cette grande figure qu'est Marcel Callot. Et j'aimerais voilà, pouvoir un petit peu, quand on m'a demandé de préparer cette intervention, de pouvoir présenter Marcel Callot comme étant une figure inspirante pour les scouts au XXIe siècle. Alors, moi, j'ai découvert Marcel Callot, voilà, donc on m'a présenté, mais moi, j'ai découvert Marcel Callot il y a déjà plusieurs années, puisque j'étais, à l'époque, j'étais chef chez les pionniers Caravelle, donc la branche des 14-17 ans, et puis nous avions un petit livret à écrire, et à l'intérieur de ce livret, il y avait des figures à indiquer. Et donc, avec les pionniers, on avait choisi de remettre Marcel Callot, parce qu'il y avait... Chez Marcel, il y avait évidemment à la fois cette jeunesse, cette audace et puis cette spiritualité qu'il incarnait et qui plaisait beaucoup aux pionniers de l'époque, puisqu'il y avait la pédagogie qui arrivait, la nouvelle pédagogie des pionniers. Et puis, on avait besoin d'avoir un petit livre spirituel et on a toujours besoin, je crois, d'incarner une spiritualité derrière des visages. Voilà. Et donc, on avait mis une petite biographie de Marcel Callot qui tenait sur une petite page avec sa photo. J'ai envie de dire que Marcel Callot, pour introduire un peu mon propos, c'est vraiment une proximité, une figure de proximité avec chacun d'entre nous. Je dirais qu'il a une foi qui est simple, qui vive, qui est vraie, qui est vécue. On voit que c'est quelqu'un qui a partagé la situation de beaucoup de nos adolescents aujourd'hui. C'est quelqu'un qui s'est formé, qui travaille, qui est tombé amoureux, qui s'est engagé, qui a été... pétri par beaucoup de mouvements, on va en reparler, qui s'est fait des amis et qui voilà, a été, je dirais, dans la culture de son époque, bien à l'aise, bien dans ses baskets, dans le monde de son temps. On sait qu'il a fait, partie de mouvements qui étaient des mouvements qui insistaient à la fois sur la profondeur spirituelle et sur l'engagement. Et c'est vrai que pour beaucoup de jaucistes de l'époque, hein, quand il y a eu aussi cet appel au STO, il faut savoir que le mouvement des scouts de France avait pris position à travers un tract qui était paru dans la revue La Route, hein, donc en juin 1943, pour encourager les scouts de France à partir au service du travail obligatoire. Et donc on peut imaginer que cette position que le mouvement avait eue, alors Marcel n'était plus scout à cette époque-là, mais pour dire que il y avait sans doute des dilemmes qui existaient dans la jeunesse de l'époque, et que on imagine que parmi les mouvements de jeunesse, il y a eu ces mêmes débats à l'intérieur des grandes directions de ces mouvements. Alors, je me suis un petit peu amusé à voir pourquoi les scouts et guides de France avaient voulu faire cet engagement-là. Alors, des petites anecdotes que je peux vous citer, hein, sur cette période très particulière. Il y avait des documents qui avaient été envoyés pour les routiers, hein, donc ceux qui ont l'âge de nos compagnons, hein, et il y avait toute une série de consignes spirituelles qui leur étaient données avant le départ. Alors je vous donne des exemples, hein, provoquer une réunion d'adieu du clan, hein, les mots sont pesés quand même, préparer les effets, se préparer moralement, porter son insigne, écrire à son clan, rechercher des frères scouts, et citer des gécistes et des jocistes. Donc oui, il y avait quand même des liens entre ces associations-là. Être curieux de toute nouveauté, rester digne. Donc le mouvement des scouts de France à l'époque, en disant mais tu pars là-bas, mais comme la devise des scouts l'indique bien, hein, sois prêt, bah, prépare-toi bien à partir au STO et n'y va pas avec des gants blancs ou la fleur au bout du fusil, si je pourrais m'exprimer ainsi. Et donc fin 1943, on a eu 350 routiers qui sont partis en Allemagne. Et quelque chose que j'ai découvert en préparant mon exposé, c'est qu'ils sont partis vraiment dans le même état d'esprit que Marcel, c'est vraiment comme missionnaires. C'est-à-dire qu'ils sont allés là-bas
pour rejoindre d'autres qui étaient en Allemagne, être avec eux, les soutenir et les encourager en faisant le même travail qu'eux, pour pas les laisser seuls. Voilà. Et donc cette loi qui était sortie en 1943 fait que voilà, le mouvement scout avait porté cette demande-là de l'État français à l'époque. Alors je me suis posé quelques questions. En quoi cette figure de Marcel Callot et son questionnement spirituel peut aider les jeunes aujourd'hui? Comment la jeunesse d'aujourd'hui, qui voit devant elle apparaître un certain nombre de défis, comment le scoutisme doit pouvoir éduquer des jeunes aujourd'hui pour relever les défis de demain? Voilà. Et donc à l'intérieur de ces défis-là et de cette préparation spirituelle-là, comment une figure comme Marcel Callot peut être inspirante pour nous, scouts et guides de France? Et finalement, c'est se poser la question, qu'est-ce que c'est que cette spiritualité scout dont on parle souvent, mais pour laquelle on a un peu de difficulté à mettre des mots, et comment cette spiritualité-là, à la fois, elle est vraiment adressée aux jeunes, et en même temps, elle est bien ancrée dans la réalité et tournée vers ces défis dont je parlerai tout à l'heure. Il y a une règle d'or que j'aime souvent rappeler, c'est que parfois on a un peu tendance dans nos têtes à séparer vraiment la prière, la spiritualité, les sacrements, hein, de la vie réelle, des combats, des engagements, de l'engagement éthique qui doit trancher dans la complexité des situations. Et j'aime bien rappeler qu'il y a une règle qui dit, voilà, plus finalement on doit s'engager en pleine patte humaine dans ce monde ou plonger dans ce monde, plus il nous faut aussi plonger dans la spiritualité. Plus on est au cœur des vrais défis, plus on a à mettre Dieu au cœur. Pourquoi ? Parce que sinon, si spirituellement nous ne sommes pas suffisamment charpentés, c'est ça où la figure de Marcel est extrêmement intéressante, c'est-à-dire qu'on voit que c'est un garçon qui part avec une maturité spirituelle qui est sans doute à faire pâlir bien d'entre nous, et moi le premier. Et donc il part là-bas avec cette maturité qui lui permet de dire « je vais aller rejoindre tous ceux qui sont en Allemagne et je le fais en toute conscience ». Je le fais commissionnaire et je sais que Dieu, d'une certaine manière, m'attend là-bas. Voilà, je sais que c'est mon devoir. Voilà. Cet engagement qui est de se dire, je risque ma vie, je vais peut-être ne plus revoir la fiancée, parce qu'il y avait une fiancée à ce moment-là, et il faut savoir combien c'était compliqué pour ceux qui revenaient du STO en vacances en France et qui retrouvaient parfois leur femme ou leur fiancée, de se dire « je dois repartir là-bas au risque de ma vie hein, ». Et combien ces décisions-là, ce sens du sacrifice, hein, et on en reparlera tout à l'heure, je crois que ça donne aussi un peu l'envergure de la maturité de Marcel Callot, et de se dire que c'est le fruit d'une maturation spirituelle extrêmement forte dont je crois nos jeunes ont vraiment besoin aujourd'hui. Ces grands défis, et puis ensuite je vais essayer de reprendre un petit peu le fil sur Marcel, et ces grands défis, on va essayer de les décliner tout à l'heure, mais je vais déjà commencer par les citer. Défis auxquels la jeunesse va s'affronter ou elle est déjà affrontée. Quand je parle de la jeunesse, j'aimerais englober évidemment toute la jeunesse européenne. Marcel dépasse les frontières, mais on pourrait aussi parler de la jeunesse dans d'autres pays. Nous étions en contact avec les associations catholiques de scoutisme à Fatima il y a quelques jours encore, dans le cadre de la SIX, et nous avons pu rencontrer nos frères scouts africains notamment, et on s'aperçoit combien l'époque de Marcel, où on voit la montée du nazisme, la montée d'une forme de haine, elle touche ces pays-là, en particulier tous les pays sahéliens, et pour lesquels voilà, le scoutisme, le guidisme, ce sont vraiment des remparts pour éviter que les jeunes se fassent happer par ce type de groupe djihadiste sectaire. Ces trois défis, moi j'aime bien les ressaisir en disant ce sont des défis qui sont liés entre eux, ce sont des défis où le pape François nous invite à être présent, et ce sont des défis que la jeunesse porte, je crois, vraiment au cœur. Le premier défi,
il est connu aujourd'hui, on en parle très régulièrement. Je crois que c'est le défi de la crise climatique, de la crise écologique. Donc, c'est globalement le défi d'une écologie intégrale, hein, de la sauvegarde, de la protection de notre maison commune. Et pour cela, les scouts et guides de France font un travail important autour de la conversion écologique. Le deuxième, c'est sur le défi de la paix, hein, l'éducation à la paix, l'éducation au vivre ensemble. Comment accueillir, comment permettre la rencontre, comment être aussi des protagonistes pour éviter que des conflits s'enveniment. Et le troisième, je crois que c'est le défi de la rencontre interreligieuse. Voilà. Trois défis qui sont quand même bien dans les grandes perspectives que le pape François nous adresse et qui, je crois, concernent le mouvement scout en particulier et pour lequel nous avons besoin d'avoir une spiritualité à la hauteur de ces enjeux-là. Alors pourquoi, qu'est-ce que c'est qu'une, finalement, parler de Marcel Callot comme une figure inspirante ? Quelqu'un qui inspire des jeunes, quelqu'un qui parle à des jeunes, quelqu'un qui d'une certaine manière touche, hein, le cœur des jeunes, il faut reconnaître que ce sont souvent des figures de personnes qui se sont engagées auprès des autres, avec une conviction d'âme et une radicalité qui étonne. On pense à des mères Teresa, on pense à des abbés Pierre, etc. etc. C'est souvent ces images-là dont les jeunes nous parlent. Et je crois qu'on aurait intérêt à aussi montrer, et Marcel Callot en est un bel exemple, que cet engagement-là, il se joue dès que l'on a 12 ans, dès que l'on a 16 ans, dès que l'on a 20 ans. Il ne faut pas attendre d'avoir 40 ans ou d'être médiatisé pour pouvoir prendre à cœur et de pouvoir s'engager. On voit des figures comme ça, un peu de jeunes, voilà, comme Greta Thunberg, qui véritablement interpellent les puissants. Et je crois que les jeunes aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles, hein, aux témoignages de jeunes de leur génération, de leur père. Et Marcel, c'est comme un jeune, un, voilà, jeune adulte. Et je pense que les idéaux qu'il a portés peuvent vraiment faire sens pour la jeunesse d'aujourd'hui, devant aussi une situation qui était extrêmement difficile à son époque. Une figure d'inspiration, c'est une figure qui donne envie de faire, pas forcément comme lui, mais comme ça. Pas faire comme lui, c'est-à-dire que c'est pas forcément du copier-coller qu'on va faire, mais c'est comme ça, c'est-à-dire dans l'état d'esprit dans lequel lui, il a essayé de, avec ce qu'il était, avec sa sensibilité, avec sa culture, avec la spiritualité de la JOC qu'il a pétrie, et j'aimerais aussi dire qu'il y avait derrière une spiritualité scout, on va y revenir, de se dire, voilà, ça lui a permis de lire la réalité sous un certain angle de vue qui lui a permis de déceler où était le mal et quel était son devoir. Voilà. Une source d'inspiration, je crois que c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ça nous aide, nous, à lire la réalité comme la personne l'a faite à son époque. Bien sûr, là où il est inspirant aussi pour nous, scouts et guides de France, je pense que c'est aussi dans son engagement auprès du monde ouvrier, auprès d'une certaine catégorie de personnes. C'est quelque chose qui est important pour nous parce que le risque que l'on a toujours, nous, un petit peu, chez les scouts, c'est le risque un peu de l'entre-soi, c'est le risque de rester un peu dans les mêmes catégories et les couches sociales, c'est le risque de dire, eh bien, on va former des chefs et des cheftaines, mais parfois avec un niveau d'abstraction où il faut avoir forcément fait bac plus pour pouvoir comprendre, etc. Et je pense vraiment qu'il y a vraiment une réflexion importante pour se dire comment notre spiritualité, comment la proposition que nous devons faire aux jeunes et aux chefs et cheftaines, elle doit aussi s'adresser à des intelligences qui sont variées et multiples, et aussi à pouvoir se donner des compétences concrètes, réelles, et pas simplement faire un mouvement de personnes qui sont un peu dans le même type de lycée, les mêmes types d'études et les mêmes types de catégories sociales. Voilà. Là où je trouve que Marcel est inspirant, on l'a vu sur l'une des dernières diapos, c'est on sent que c'est quelqu'un qui devient un leader, on sent que c'est quelqu'un qui anime un groupe, qui prend des responsabilités.
Et donc, c'est quelqu'un qui est un peu, moi j'emploierais l'image d'un premier de cordée. Voilà. Un premier de cordée, il est toujours un peu attiré par le sommet de la montagne, un peu par un idéal. Et Marcel, je crois, a cette capacité-là à nous dire, voilà, comment entraîner derrière nous d'autres personnes, d'autres jeunes, comment appeler derrière nous. J'aime bien dire qu'un premier de cordée, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui donne son avis, mais c'est au contraire quelqu'un qui indique un peu le chemin et qui permet à chacun, de à son rythme, de faire ses pas et d'aller vers cet idéal un peu commun qu'on s'est fixé. Ce qui me paraît important aussi et qui m'inspire beaucoup chez Marcel Callot, c'est bien sûr cette foi engagée, j'en ai parlé tout à l'heure, cette espèce de lien fort qu'il fait entre sa foi chrétienne et puis son travail, toutes ses résolutions, tout ce qu'il va faire ensuite en Allemagne et le choix qu'il aura fait d'aller en Allemagne, cette résolution presque de donner sa vie au service de ses frères. On sait qu'au camp de Mauthausen, il partagera le pain, son propre pain, avec un détenu à côté de lui. Donc ça va chercher très très loin, cet engagement-là. C'est une forme d'équilibre, d'unité et d'idéal qui forme un peu un tout chez Marcel Callot. On sent chez lui, évidemment, un garçon entier, on sent une belle personnalité et une envie de témoigner de sa foi, à mon avis, dans une époque qui n'est pas si éloignée de la nôtre. Aujourd'hui, ce n'est pas toujours très simple pour des adolescents qui, par exemple, vont faire la confirmation, de le dire à leur copain de lycée, moi je vais faire ma confirmation. Voilà, ce n'est pas évident. Et dans le scoutisme, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. On pense beaucoup au rôle des adultes vers les jeunes. Et souvent, il se passe beaucoup plus de choses entre jeunes. Et le témoignage entre jeunes a un impact extrêmement intéressant, extrêmement important, extrêmement profond. Et je trouve qu'on retrouve ça dans les diapos qu'on a vus. On voit Marcel au milieu d'autres jeunes de leur âge. C'est un peu un jeune animateur de jeunes, un jeune apôtre des jeunes. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant pour pouvoir se dire, en fait, dans la relation aussi éducative, dans la croissance du jeune, il y a aussi beaucoup du fait que des jeunes prennent les responsabilités et animent leur groupe de pères. J'ai parlé tout à l'heure de cet engagement jusqu'au sacrifice. Ça, je trouve que c'est quelque chose qu'on a un peu retrouvé pendant la crise du Covid. On en a parlé avec des soignants qui pendant les confinements se sont donnés corps et âme. On a aussi beaucoup mis en valeur les moines de Tibirine lors de leur béatification. On a aussi parlé beaucoup de Arnaud Beltrame quand il a pris la place d'un otage. Et on était plus bien habitué à cette idée un peu de se sacrifier pour les autres. Et je trouve que Marcel Callot peut vraiment nous aider à se dire donner sa vie, c'est pas perdre sa vie. Voilà, c'est en fait la gagner. Alors ça, c'est l'évangile, mais c'est quelque chose qu'on peut méditer beaucoup, mais on voit avec des figures comme cela qu'il y a des situations qui parfois, comme chrétiens, nous obligent à faire quelque chose. Je vais dire une petite anecdote, mais qui est un peu liée au scoutisme. Des situations un peu de conflit, il y en a partout dans le monde, il y en a notamment en Centrafrique. Et lorsque le pape François est venu en 2015, dans la République centrafricaine, dans la capitale à Bangui, qui était encore un peu à feu et à sang. Ceux qui ont permis à ce que le pape puisse sortir de son avion, aller jusqu'à son véhicule, aller jusqu'à sa résidence, aller dans les quartiers, passer des checkpoints, aller dans les mosquées, etc., alors qu'il y avait très peu de sécurité à ce moment-là, en octobre 2015, eh bien, ce sont les scouts chrétiens et musulmans qui, d'un commun accord, ont décidé, un peu au péril de leur vie, de lever les barrages et de voilà. Donc ces décisions-là qui s'imposent, souvent, elles permettent, je trouve, de donner du sens dans une spiritualité où je pense qu'une vraie spiritualité, comme l'avait vécu Marcel, c'est forcément une spiritualité qui nous prend tout entier, qui à un moment donné nous encourage, nous incite à nous donner, y compris dans des situations qui peuvent être parfois un peu compliquées. Ce que j'aime bien aussi, et qui me parle, c'est le fait qu'il soit dans des groupes d'amitié ou la fraternité. J'ai relu des textes de Marcel. Il parle
Il y a le mot fraternité qui revient très souvent. Il parle « Mes camarades, j'en profiterai pour vous montrer ce qu'est l'amitié jociste. Amitié qui ne devrait pas exister que dans une fête comme celle d'aujourd'hui, mais pendant toute notre vie jociste. » Voilà. Alors ça parle à des scouts parce que la fraternité, quand on vit ensemble, on noue des liens d'amitié, on sent qu'on fait partie d'un vrai collectif, et on va le voir tout à l'heure, hein, pour les grands défis que je citais, ça, on est vraiment, je dirais, dans ce qui est vraiment la chance de nos mouvements, c'est le terreau de grandes amitiés, c'est le terreau où on apprend aussi à tisser des liens de fraternité, c'est-à-dire de vivre avec des gens qu'on n'a pas choisis, hein, et ça, il y a des photos, même dans les camps au STE, on voit Marcel entouré d'autres personnes. Il n'est jamais seul. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui parle beaucoup à nos jeunes. Moi, j'ai relu aussi... on voit que Marcel Callot a une profonde catéchèse qu'il a vraiment bien mis au clair, si je puis dire, sur ce que moi je l'appelle le projet de Dieu pour l'humanité. Pour lui, on sent que... Alors, on voit qu'il y a toute la spiritualité de la croisade eucharistique. Vous savez que la croisade eucharistique, il y avait vraiment une spiritualité forte. La devise, hein, c'était « Prie, communie, sacrifie-toi, sois apôtre ». On pourrait presque dire que la vie de Marcel, hein, « Prie, hein, communie, l'Eucharistie, on a parlé de la messe tout à l'heure, sacrifie-toi, sois apôtre. On va presque dire que ces verbes, ces mots disent vraiment quelque chose de l'itinéraire, du fil rouge spirituel de Marcel Callot. Et donc dans ce plan de Dieu, Marcel Callot a une vision très intéressante que tout vient de Dieu et que tout va vers Dieu. Et donc il a en lui une forme de confiance de fond où dans ce tout vient de Dieu, on est porté comme dans un berceau, on pourrait dire, on est porté dans la grâce de Dieu, et donc la spiritualité dans laquelle il est, c'est vraiment la logique du don qui, de toute façon, retourne à Dieu. Donc on ne sent pas de peur en lui, parce qu'il se sait vraiment dans ce mouvement, alors c'est très paulinien, hein, où tout vient de lui, tout va vers lui, hein, dans une forme de cercle qui revient vers l'origine, hein, le Créateur qui, à un moment donné, récapitule toute sa création, et donc qui ne perd aucun de ses enfants, et qui peut aussi expliquer, je pense, le courage de Marcel quand il est parti au service du travail obligatoire. Et ça m'a beaucoup marqué, cette vision du projet de Dieu, parce que ça fait prendre au sérieux le travail du quotidien. On dit que c'était quelqu'un qui était très méticuleux dans son travail. Donc le travail bien fait, le travail mené jusqu'au bout, d'une certaine manière, participe à ce grand mouvement de création qui n'est pas terminé. Nous sommes co-créateurs, nous sommes évidemment inspirés par Dieu qui nous donne cet élan-là, mais nous avons aussi à être co-créateur, et le travail, le devoir d'État, la responsabilité quotidienne permettent justement de participer à ce mouvement-là qui n'est pas complètement achevé. Donc on voit on pourrait dire la prière et le travail d'une certaine façon, hein, alors ça c'est la devise des bénédictins, hein, ora et labora, mais on voit que chez Marcel Callot c'est très bien unifié. Voilà. Et ça, je trouve que c'est intéressant pour nos jeunes d'aujourd'hui, parce que c'est toujours un peu difficile, en tout cas moi j'ai un peu du mal, mais toujours à arriver à montrer ou à expliquer le lien qu'il y a vraiment entre la foi et la vie, hein, notre foi et les œuvres, le travail et la prière. Voilà. Ce qui peut paraître parfois différent, antagoniste, en fait, trouve chez lui une forte unité. Voilà. Et puis cette expression qui est comme forte chez lui, hein, être apôtre, il écrivait, on ne peut pas être chrétien sans être apôtre. Disciple implique apôtre. Et donc, dans sa perspective, ça veut dire que
c'est intéressant aussi pour la situation ecclésiale que nous vivons. Hein. Le mot apôtre dans les Écritures, c'est vraiment l'envoyé, c'est ceux que Jésus choisit. Et dans sa perspective, à partir du moment où je suis disciple, il y a un moment donné où la logique fait que je ne suis pas uniquement appelé à suivre le Christ, à vivre ma spiritualité, à vivre voilà, ma vie chrétienne, mais je suis aussi appelé à être envoyé pour l'annoncer. Et lui, il ne fait pas de séparation entre les prêtres qui sont apôtres et puis les laïcs qui ne le sont pas. Lui, pour lui, tout disciple est appelé à être apôtre. Voilà. Et ça, c'est important parce qu'on est dans une église aussi où on a besoin d'avoir une vraie réflexion, hein, je crois, sur qui est apôtre. Est-ce que ce sont seulement les ministres ordonnés? Est-ce que ce sont seulement les ministres institués? Ou est-ce que finalement, nous avons tous à être apôtres? Et pour être apôtre, il ne suffit pas d'en avoir envie, il faut s'y préparer, se former, et il faut être envoyé. Voilà. Et comment l'Église du XXIe siècle va pouvoir penser cet envoi en mission et cette formation, hein, pour que justement la mission elle soit bien vécue. Voilà, j'ai essayé de faire une petite introduction pour essayer d'un peu caler un petit peu les choses, mais vous voyez que Marcel Callot, je pense que c'est vraiment une figure dont on aurait intérêt à pouvoir puiser, nous, chez les scouts et guides de France. J'ai parlé tout à l'heure de spiritualité scout en disant que parfois c'était difficile de mettre des mots sur notre spiritualité. Et pourtant, c'est tellement important, je crois, pour pouvoir en vivre, pour pouvoir aussi, comment dirais-je, avoir une perspective qui soit attrayante pour les jeunes, qui nourrisse aussi l'engagement des adultes. Et je me suis posé cette question pendant pas mal de temps. Et je me suis dit, mais cette spiritualité scout, alors bien évidemment, il faudrait repartir des mots, de l'étymologie. Il faudrait repartir de Baden-Powell. Baden-Powell était fils d'un pasteur, hein, vous savez qu'il était quand même pétri de Bible, il était très attaché à sa paroisse, etc. Et puis après, Jacques Sevin, Chanoine Cornette, les fondateurs des scouts de France, eux, ils ont repris ça en le catholicisant, si je pourrais dire. Et puis, ils y ont mis une grande profondeur spirituelle. Je rappelle que le père Sevin, lui, il a vraiment pris les intuitions de Baden-Powell et il l'a adapté au sein de l'Église dans un contexte qui était loin d'être évident. Voilà. Parce que tout ce qui venait d'outre-Manche ou ce qui venait du protestantisme n'était pas forcément accueilli avec gaieté de cœur. Voilà, avec gaieté de cœur. Et Jacques Sevin a très très vite senti que les intuitions de Baden-Powell pouvaient tout à fait convenir à des catholiques et que même le scoutisme portait quelque chose de très particulier. Alors lui, il était jésuite, mais il a vu qu'il y avait vraiment quelque chose qui était d'une spiritualité forte, structurée, qui sans doute pouvait même donner lieu. Alors lui, il rêvait d'un ordre religieux scout, ça n'a pas complètement abouti, mais il a beaucoup travaillé, notamment dans la formation des chefs et des cheftaines à Chamarande, pour que ce lieu-là soit pas simplement un lieu de formation pédagogique et éducative, mais aussi un lieu de maturation spirituelle. Et on sait que voilà, ça a donné lieu à beaucoup de vocations aussi. Moi, je pars souvent de la devise, toujours prêt. Alors, be prepared, hein, sois prêt. Jacques Sevin met en toujours prêt. Ça, c'est une phrase de l'Évangile. Vous savez, il y a ces moments où Jésus dit « Soyez prêts, vous ne savez ni le jour ni l'heure, on ne sait pas quand les choses vont arriver, quand le voleur va venir, etc. » Donc il y a une sorte, dans l'Évangile, c'est assez étonnant de voir qu'il y a une sorte de il y a un peu une urgence. Jésus met ses disciples et ses apôtres un peu dans une attitude en disant « Eh les amis, ouvrez bien vos yeux et vos oreilles. » Parce que ce qui est en train de se jouer maintenant, c'est déterminant pour l'avenir. Vous ne pouvez pas vous endormir, c'est pas possible. Voilà. Celui qui s'endort, il risque de passer à côté à la fois de la rencontre qu'il devait faire avec lui, mais aussi de ce qu'ils avaient à accomplir demain. Et on fera le lien tout à l'heure avec Marcel Callot, parce que cette devise de toujours prêt, se préparer pour une mission,
Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est important. Si dans l'Église d'aujourd'hui, on était attentif à se dire, mais en fait, une partie de la pastorale, une partie de la vie de l'Église, elle se vit aujourd'hui parmi les jeunes et dans ce que vivent les jeunes d'aujourd'hui, dans ce qu'ils peuvent dire, dans leurs questionnements, etc., etc., etc. Je pense qu'on aurait une vision un petit peu différente de simplement se dire, il faut qu'on s'occupe des jeunes. La Devise Scout nous dit, non, c'est aux jeunes eux-mêmes de se sentir prêts et d'être prêts à prendre en charge leur vie chrétienne, à prendre leur projet en main, à réfléchir, à s'engager. C'est maintenant que ça se joue. C'est pas dans 20 ans ou dans 30 ans. Et le processus éducatif, la pastorale que l'on a à mettre à côté, c'est pas une pastorale où on te prépare à quelque chose qui va arriver demain. C'est dès aujourd'hui, on a quelque chose, on a des choses à faire. Alors pour reprendre l'exemple que je prenais tout à l'heure sur la Centrafrique, c'est pas les grands chefs qui ont fait les corridors de sécurité pour que le pape puisse arriver. C'était les jeunes eux-mêmes qui se sont mis en tenue et qui sont allés accompagner le pape au quartier du PK5, qui sont passés les checkpoints, etc. Et donc, je crois que c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous disent, nous, on veut aujourd'hui compter sur la marche du monde. On ne veut pas attendre demain. On ne veut pas attendre demain. Voilà. Donc, ce côté un peu d'urgence, moi, j'aime bien dans la Devise Scout. Et je pense que notre spiritualité, elle commence là. Après, le mot scout, éclaireur, ça c'est un mot que j'aime bien parce que pareil c'est aussi biblique, la lumière, et puis cette idée aussi qui était très forte chez Baden-Powell qu'il avait vu, c'est comment des jeunes qu'on envoie en mission qui sont éclaireurs le font avec une force qui parfois dépasse un peu l'entendement, une force de conviction. On parlera d'interreligieux tout à l'heure, mais ce qu'a pressenti Baden-Powell, c'était que la spiritualité, l'idéal qui était dans le cœur de beaucoup de jeunes dont il s'occupait, alors je pense à l'expérience qu'il avait vécue à Mafeking en Afrique du Sud, mais après qu'il a découvert lors des camps, les premiers camps à Brownsea et autres, c'est en fait, l'idéal, il est déjà là. La force d'âme, elle est déjà là. Et nous, on a à faire émerger notre travail d'éducateur et de pasteur, c'est être révélateur de quelque chose qui est enfoui et qui ne demande qu'à grandir. Voilà. Et donc, la spiritualité de l'éclaireur, c'est ça. C'est, on a des révélateurs, des éclaireurs, les uns vis-à-vis des autres. Hein, les uns vis-à-vis des autres. Pour une mission, et tout ce qu'a en anglais, c'est défricher, de défricheur, c'est-à-dire d'ouvrir, d'être aux avant-postes, d'être sur les lieux frontières, d'être sur les périphéries, comme pourrait dire le pape François, et que ça, pour aller jusqu'aux périphéries, jusqu'aux lieux frontières, ben, ça demande quand même une forte identité, ça demande une riche spiritualité. Je reviens à ma petite règle d'or tout à l'heure, plus je suis engagé dans le monde, plus je dois être nourri d'une forte spiritualité pour ne pas me diluer, pour ne pas me décourager. Voilà. Un petit trait d'humour, c'est que quand on disait à Baden-Powell, mais alors être prêt à quoi, il disait prêt à n'importe quoi. Voilà. C'était, il paraît-il, la devise des policiers d'Afrique du Sud aussi, be prepared. Voilà. Et donc, spiritualité de l'éclaireur, spiritualité que après on voit se décliner dans la promesse. Vous savez que la promesse et la loi, c'est pas un des piliers de la méthode scout, c'est le pilier central. Qui dit pilier central dit que les autres piliers, je pense à la relation éducative, je pense à la vie dans la nature, etc. Les autres se déclinent à partir de celui-là. Donc la promesse qui est, je considère que la parole du jeune, et que quand je suis jeune, ma parole m'engage, on est encore vraiment dans la pure tradition biblique, où Dieu s'engage par sa parole, où Dieu tient promesse et tient ses promesses. On le voit dans les psaumes, c'est impressionnant de se dire, le psalmiste, il dit, mais moi je m'accroche à ta promesse ou à tes promesses, c'est ça qui me fait vivre. Voilà. Seule la parole de Dieu est solide, seul Dieu est capable de tenir ses promesses. Et pour revenir un peu sur la vision de Marcel Callot d'un monde qui venait de Dieu et qui allait vers Dieu, mais il fallait aujourd'hui apporter notre part, prendre nos responsabilités, et puis on le verra, mais s'engager face au mal, ça veut dire qu'il faut que, pour que ce monde-là n'implose pas, il faut que Dieu puisse compter sur des gens qui fassent leurs promesses ou qui tiennent promesse.
Et cette promesse-là, elle est adossée à la loi. Alors j'ai pu retrouver la loi. Attendez. J'ai cherché. En fait, j'ai posé la question à Jean-Jacques Gauthier, qui est un de nos historiens. Je lui ai dit, retrouve-moi la loi sur laquelle Marcel Callot a fait sa promesse Louveteau. Alors si ça vous intéresse, je vais vous la lire. Donc c'était « Le scout est fier de sa foi et lui soumet toute sa vie. Le scout est fils de France et bon citoyen. Le devoir du scout commence à la maison. Le scout met son honneur à mériter confiance. Le scout est loyal à son pays, ses parents, ses chefs et ses subordonnés. Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Le scout est l'ami de tous et le frère de tout autre scout. Le scout est courtois et chevaleresque. Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. Il aime les plantes et les animaux. Le scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié. Le scout est maître de soi. Il sourit et chante dans les difficultés. Le scout est économe et prend soin du bien d'autrui. Le scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Il avait 12 ans. Je suis persuadé que cette loi à l'époque des scouts de France, ces principes, c'est marqué principe des scouts de France, je pourrais vous la faire circuler, a sans doute travaillé le jeune Marcel de l'époque. Et puis dès qu'il est devenu jossiste, à mon avis, il n'a pas dû sentir beaucoup de différence. Ça ne l'a pas mis en tension. Hein. Je trouve qu'il y a une belle continuité. Voilà. Après, il y a des modifications de la loi, mais le fond reste toujours un petit peu le même. Il a été modifié après dans les années... dans les années 64, voilà. Donc on en était sur cette idée de spiritualité, et j'ai envie de dire, le scoutisme est né, pas sur un canapé rouge, il est né dans la tête d'un Baden-Powell qui a vu ces jeunes soldats, éclaireurs, qui étaient pétris d'idéal et qui accomplissaient des missions, etc. Il fait sa première expérience en 1907, et puis la guerre, la première guerre mondiale arrive, et donc beaucoup disaient que ça va s'arrêter. Et en fait, les moments souvent de grandes crises sont plutôt des catalyseurs du scoutisme que des freins. Ce sont plutôt des catalyseurs. 1920, donc juste après la guerre, il y a un grand rassemblement à Olympia en Angleterre. Et là, on voit Baden-Powell qui se retrouve devant en fait, des jeunes de tout pays, très différents, et il leur adresse un peu un appel. Et pour moi, on est vraiment dans l'ordre de la spiritualité scout. Je vais vous lire ce petit texte que j'aime bien, pour ne pas dire beaucoup. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très fort, et je pense que Marcel Callot voilà, a sans doute aussi, à sa façon, vécu ce texte-là. Donc 1920, Baden-Powell s'exprime à tous les scouts à la fin de la clôture du premier jamboree mondial, Olympia. Voilà. Frères scouts, je vous demande de faire un choix solennel. Entre les peuples du monde, il existe des différences dans la pensée et dans les sentiments comme il en existe dans la langue et l'aspect physique. La guerre nous a appris que si une nation cherche à imposer sa volonté égoïste aux autres, il est inévitable qu'une réaction cruelle s'ensuive. Le jamboree nous a appris que si nous pratiquons l'indulgence réciproque et si nous sommes ouverts à l'échange avec les autres, la sympathie et l'harmonie s'installent naturellement parmi nous. Si telle est votre volonté, partons d'ici avec la ferme détermination de développer parmi nous et nos garçons cette camaraderie par l'esprit mondial de la fraternité scout de façon à pouvoir contribuer au développement de la paix et du bonheur dans le monde et de la bonne volonté entre les hommes. Voilà. Ce texte de Baden-Powell, où au début il y en existait, mais les scouts c'est un peu les militaires, machin, etc. Baden-Powell a fait aussi un chemin où bien sûr le scoutisme lui a d'une certaine manière échappé de manière positive. Il a vu la création des scouts de France en 1920, c'est la même année. Il voit que c'est parti en Belgique.
Et quand ils se retrouvent devant le Jamboree, en fait, après la Première Guerre mondiale, il comprend qu'il y a un enjeu de paix fondamental que le scoutisme doit prendre à bras le corps. Et que, de manière un peu schématique, si la guerre est le lieu de l'avidité, de la cruauté, de la division, et que c'est un cercle infernal qui dure depuis des millénaires, pour Baden-Powell, l'antidote, c'est le Jamboree. Donc il oppose, d'une certaine manière, le conflit qui est malheureusement un peu naturel. La violence, c'est quelque chose qui est malheureusement, j'ai envie de dire, un peu naturel chez les hommes. Et il faut l'opposer à un projet radicalement différent. Et pour Baden-Powell, c'est le Jamboree. Parce que le Jamboree, c'est l'expérience concrète de jeunes de dire, en fait, on est capable de vivre ensemble, on est tellement différents, mais on partage le même idéal et on est capable de tisser une fraternité scout. Ce texte-là, je l'ai lu moi-même en Centrafrique. Et j'ai posé la question aux scouts centrafricains, j'ai dit, ce que Baden-Powell nous a dit en 1920, est-ce que vous, vous voulez le vivre en 2018, en 2017, c'est la première fois que je suis allé là-bas, avec les scouts musulmans, vous les chrétiens, qui êtes majoritaires, est-ce que vous voulez le vivre ensemble pour que le Jamboree, le scoutisme et le guidisme soient le terreau de la paix dans votre pays? Il n'y a pas d'autre mouvement qui est capable d'enrayer la spirale de violence dans laquelle votre jeunesse se trouve prise. Est-ce que vous y croyez, est-ce que vous n'y croyez pas? Il y a eu un grand silence dans l'église quand j'ai dit ça. Et puis à un moment donné, il y a l'un des responsables qui s'est levé et dit « Ah, Père Xavier, nous on veut, et on y croit, on veut avancer dans cette direction-là et on veut travailler avec les scouts musulmans parce que notre pays, ça n'est qu'une répétition malheureusement voilà, de conflits qui durent sans cesse. Et il faut qu'on arrive à sortir cette jeunesse-là de ce cercle-là. » Pourquoi je parle de cette citation-là en parlant de spiritualité? Parce que on ne peut pas parler de spiritualité de la promesse si on ne va pas jusqu'au bout. Et si la promesse est le pilier, la finalité, pour moi, c'est la paix. C'est-à-dire la coexistence pacifique, la reconnaissance de la fraternité, du visage du frère dans celui qui est différent de moi. Tout cela avec, évidemment, trois bouts de ficelle et pas beaucoup de temps pour que ça puisse se réaliser comme ça d'un claquement de doigts. Et j'aime bien redire que le Jamboree, le rassemblement, le scoutisme, c'est essentiellement des remparts, je pense, à la violence, à la destruction, etc. etc. Et il ne faut pas qu'on l'oublie, parce que je pense que c'est vraiment cet état d'esprit dans lequel quelqu'un comme Marcel Callot est parti comme missionnaire au STO. Voilà. C'est d'une certaine manière, les situations de crise nous parlent et nous adressent des appels vers lesquels il ne faut pas se déresponsabiliser. Là où je trouve qu'on aurait intérêt à vraiment creuser cette figure de Marcel Callot, c'est sur cette... moi j'appelle ça la position du veilleur face au mal qui apparaît. Vous savez que la posture du veilleur dans la Bible, vous avez les prophètes, vous avez les veilleurs, vous avez les sages, vous avez les serviteurs, il y a toute une série d'attitudes spirituelles comme ça. Et dans les psaumes, on voit que le veilleur, c'est celui qui est en avant, qui regarde au loin, soit pour voir si un messager arrive, soit pour voir s'il y a une menace qui arrive, et puis d'avertir, etc. Et en relisant les quelques lettres de Marcel Callot, je me suis aperçu qu'il était vraiment quelqu'un qui incarnait cette position de celui qui sait reconnaître le mal. On l'a dit tout à l'heure, cette résistance spirituelle face au nazisme. Et aujourd'hui, les jeunes sont extrêmement sensibles à des problématiques et une façon de voir l'avenir qui parfois nous bouscule un petit peu les adultes. Et que le scoutisme et le guidisme, et donc d'une certaine manière la vie spirituelle que l'on doit animer à l'intérieur, c'est aussi une façon pour nous de les aider, les éduquer à repérer les appels que Dieu nous fait à travers des événements
qui peuvent être, si je les prends de manière brute, qui peuvent être vécues comme des choses qui peuvent être presque insupportables. On va prendre l'exemple de la crise climatique, la crise écologique, et que la spiritualité, c'est ce qui va nous permettre de garder les yeux ouverts sur cette réalité-là, sans désespérer, voilà, et avec courage, et si possible, en essayant d'en embarquer d'autres derrière nous, pour relever le défi et se retrousser tous ensemble les manches. On voit d'ailleurs, c'est assez étonnant, que les jeunes sont les premiers à dire, mais aujourd'hui, on veut essayer, nous, de vivre notre foi aussi pour protéger l'environnement. Chez Scouts et Guides de France, on a, vous savez, chaque année, il y a les camps nature-environnement, vous les connaissez, hein, c'est camps de protection des feux de forêt dans le sud, près de Marseille, 800 personnes, 800 jeunes chaque été. C'est impressionnant de voir le nombre qui vont là-bas, passer deux semaines de camp, sous le cagnard en général, pour, avec les jumelles, repérer, etc., les départs de feu, en lien avec les pompiers, le toki, etc., etc. Je suis allé là-bas plusieurs fois, et ils m'ont tous dit, mais quand on est là-bas, on sent qu'on est utile. Voilà, on regarde des heures et des heures, s'il n'y a pas le feu qui démarre, et on veut protéger cette côte, et on veut se sentir... Voilà. Alors j'essaie de les faire creuser, dire, mais se sentir utile, qu'est-ce que tu veux dire derrière, etc., etc. Et ils disent tous, c'est pas qu'on a peur de l'avenir ou de voilà, mais nous, on a peur qu'on trouve pas notre place alors qu'on veut faire quelque chose, voilà. Et on veut trouver aujourd'hui une vraie responsabilité, une vraie place. Et ce que je trouve intéressant chez Marcel Callot, c'est que à la fois il a vu la montée du nazisme arriver et que en même temps, il a été ce premier de cordée et il s'est mis vraiment dans une place où il a senti qu'il a pu soutenir, réconforter et apporter quelque chose à la fois au STO, puis ensuite dans la prison où ils ont été arrêtés, et puis ensuite dans le camp de Mauthausen. Et les jeunes nous disent, en fait, pour nous, c'est ça la vie spirituelle. C'est pas uniquement des pratiques religieuses. Beaucoup de nos jeunes ont un peu du mal avec nos pratiques un peu classiques. Et alors moi, bien sûr, comme aumônier, ça me pose un peu de questions. Alors, comment on fait ? Mais en fait, c'est qu'ils n'ont pas été éduqués là-dedans. Beaucoup découvrent l'Église. La prière, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. La messe, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Par contre, se poser, réfléchir, faire la relecture de leur expérience et lire la parole de Dieu, ça ne pose pas tellement de problèmes. Voilà. Donc on sent bien que la spiritualité, elle est bien là. Par contre... les codes, les rituels, etc., c'est sûr que ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ils disent tous, voilà, cette question de ce défi-là, on va essayer d'aller sur les trois défis dont j'ai parlé tout à l'heure, bah pour nous, c'est ça notre vie spirituelle. On veut protéger cette création bah parce que on sait qu'elle est belle, on sait qu'elle est belle. Voilà. Donc ils veulent aussi être des veilleurs face au mal. Le deuxième défi, alors j'ai parlé des trois défis, hein, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais là où je pense que Marcel Callot peut nous aider, c'est que dans cette question en fait, de l'écologie, de la paix et de l'interreligieux, on pourrait dire grosso modo, ce sont trois défis liés entre eux. L'écologie, c'est vraiment le rapport à notre création qui doit être un rapport d'alliance. Vous savez que l'alliance, c'est un mot-clé de la Bible, où c'est à la fois l'idée d'un pacte et l'idée d'une relation réciproque, voilà, qui amène du positif. Et ça. Je me sens bien qu'aujourd'hui, c'est dans cette... Il y a quelque chose à pouvoir changer, et que pour changer de la nature du rapport à la création, bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit un peu bouger en nous, d'abord en nous, pour que ça puisse ensuite rejarriver à l'extérieur. Celui sur la paix... C'est le rapport avec les autres, voilà. Le rapport avec les pays étrangers. Et je suis heureux d'ailleurs de saluer aussi nos frères scouts allemands, parce que on a des relations extrêmement fortes avec l'Allemagne chez Scouts et Guides de France. Mais on a aussi tout le réseau catholique. C'est le réseau catholique, c'est quand même beaucoup beaucoup de pays. On a aussi nos portes d'entrée qui sont ouvertes au Vatican. Et quand
quand le pape François écrit une encyclique, Laudato si, il aime bien appeler les scouts catholiques pour dire comment ça se passe chez vous. Il aime bien avoir le retour d'expérience, si vous voulez. Voilà. Et le réseau catholique, c'est quand même un grand réseau. Et voilà, donc quand l'aumônier mondial va là-bas, de la SIX, ben, il peut dire un petit peu ce qui se passe dans tous les pays, quand il y a une encyclique comme Fratelli Tutti qui a été écrite, etc. Et puis qu'est-ce qu'on fait concrètement derrière, voilà. Donc le pape est très attentif, j'ai presque envie de dire, sur ce qui se passe pour les jeunes générations quand il écrit des grands textes, pour savoir si ça prend ou si ça passe un peu à côté de la plaque. Bon, pour l'instant, il est plutôt pas trop mal. Voilà. Mais sur le défi de la paix et du vivre ensemble, ben, je crois qu'il y a vraiment quelque chose dans lequel la spiritualité doit vraiment nous aider à creuser quelque chose qui soit à la hauteur de l'enjeu. Quand on rencontre des pays comme les Libanais, quand on rencontre des pays comme la Centrafrique, j'en ai parlé, etc., la question des communautés différentes et qui sont les unes à côté des autres, c'est une grande question. Voilà. Et il n'y a pas d'autre mouvement que le scoutisme pour pouvoir créer des ponts. La vraie question qui va se poser, c'est de se dire comment on est capable comme réseau catholique d'être vraiment les protagonistes dans cette rencontre internationale, interethnique, interculturelle. Voilà. Parce qu'on voit bien, même en Europe, les choses ne sont pas complètement gagnées, on l'a bien vu cette semaine encore, il y a des conflits qui peuvent réapparaître. Et c'est pas sans lien avec la crise climatique. Vous savez bien que les rapports du GIEC, etc., font des liens très, très clairs entre le réchauffement climatique, les migrations, les conflits qui réapparaissent. Voilà. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose dont les jeunes n'ont peut-être pas forcément conscience du lien, mais en tout cas, ils sont très attachés à cette amitié entre les peuples. Voilà. Et puis le troisième défi, il est aussi un peu lié, c'est donc la question de l'interreligieux. Alors l'interreligieux, souvent dans les rassemblements, c'est l'espace foi et croyance, c'est l'espace qui est le plus apprécié des jeunes. 90% disent c'est ça qu'on a préféré. C'est rencontrer des scouts qui venaient du Tadjikistan ou qui venaient de Chine ou qui venaient de voilà, et qui nous ont parlé de leur foi, etc., etc. Pourquoi ils disent que ça les intéresse? Parce que ça les réinterroge sur leur propre foi. Et étonnamment, il n'y a pas de syncrétisme qui est fait. Mais il y a un respect de l'autre et un besoin de dire « mais en fait, moi, je n'ai pas bien compris ma foi et j'ai envie de la redécouvrir, j'ai envie de relire le credo, j'ai envie de... » Voilà. Ça, c'est les retours qu'on a. Parce que le scoutisme permet cette rencontre un peu magique entre des jeunes de grande... Voilà. Ils ont même foulard, mais ils croient différemment. Ben, ça ne pose pas problème pour les jeunes. Quoi. Voilà. Et que, en 2017, je vais faire court, mais quand il y a eu une conférence mondiale à Bakou qui s'est posé la question, est-ce qu'il faut garder le devoir envers Dieu, les pays nordiques un peu sécularisés qui disent il faut balayer tout ça, il faut mettre un devoir spirituel, Dieu ça parle plus. Voilà. Les musulmans et les catholiques ont vraiment réagi en disant non, il faut garder le devoir envers Dieu, etc. Il y a eu un vote massif à l'organisation mondiale pour dire le duty to God, le devoir envers Dieu, il faut le garder. Il faut le garder, c'est Baden-Powell qui l'a vu comme ça. Pour toutes les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, hein, dans une perspective de fraternité, de paix, etc. Maintenant, reconnaissons que ce n'est pas facile, mais travaillons la question de la rencontre et du dialogue interreligieux, donc déployons un programme où on va faire beaucoup plus d'éducation à la rencontre interreligieuse. Et donc, il y a un programme du brevet dialogue interreligieux qui est lancé sur cette question-là, et nous, on l'a lancé au sein des Scouts et Guides de France. Et ça, c'est, je pense, un grand défi pour l'avenir, parce que, encore une fois, quand on était avec les scouts à Fatima, les Ivoiriens nous ont dit « Alors nous, l'interreligieux, on est en plein dedans. Hein. Avec les musulmans, il faut qu'on fasse un autre. » Les pays du Sahel, pareil. Alors nous, on est en plein dedans. Et d'autres. Et l'Inde aussi. Voilà. Tous ces pays où on sent que les tensions elles peuvent venir. Et je pense que là où on a une chance, c'est que les jeunes générations, pour eux, ce n'est pas un problème fondamental. Il suffit qu'on crée les conditions pour que les jeunes se rencontrent. Et en général, ça peut se passer très très bien. Voilà. C'est plus problématique après, avenu à l'âge adulte, où malheureusement, voilà, les antagonismes sont plus forts. Mais voilà, je crois qu'on a vraiment une pédagogie qui permet de faire ça. Et ça, dans notre tradition spirituelle, dans notre spiritualité scout, je pense que ça, c'est aussi lié à cette fraternité, voilà, spiritualité de la promesse, vers la paix, et puis au milieu, c'est vraiment, je crois, un peu le pilier de la fraternité, de la relation avec la terre, avec l'autre, et puis avec ceux qui croient un peu différemment. Je vais peut-être conclure.
Moi, il y a quelque chose qui m'est venu quand j'ai relu un petit peu Marcel Callot, quand je me suis dit, en fait, il y avait quand même beaucoup de choses de notre spiritualité scout qui étaient chez lui. C'est les textes des Béatitudes qui m'est venu spontanément. Les Béatitudes, vous les connaissez comme moi, mais je trouve que ça fait du bien de voir un visage souriant. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'était quelqu'un qui était ouvert, qui était... Ça dit aussi quelque chose de l'Évangile, et je pense que c'est le meilleur témoignage qu'on a donné. Voilà. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les doux, car ils auront la terre promise. Béatitude pour l'écologie, hein, la douceur. Et obtenir une terre qui soit promise, c'est-à-dire qui soit donnée. Voilà. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Dans la question de l'interreligieux, avoir le cœur pur, et tout être verra Dieu. Voilà. Je trouve que Marcel est un beau témoin pour notre temps. Merci. Un très grand merci, Père Xavier de Verchères, pour votre exposé qui nous a permis de mieux comprendre ce que peut apporter Marcel Callot à la jeunesse d'aujourd'hui, et puis en particulier au mouvement des scouts et guides de France. Notre groupe a été créé il y a maintenant 5 ans. Tout a débuté lors d'une réunion pour assembler l'équipe de groupe et choisir notre foulard, ainsi que notre fameux nom de groupe, Bienheureux Marcel Callot. C'est un autre groupe se trouvant à Passé qui a imaginé la création de notre équipe. En effet, chaque année, ils avaient une trop grande liste d'attente de jeunes ayant envie de faire du scoutisme. Ainsi, en ciblant géographiquement les demandes non acceptées, c'est le site de Montfort-sur-Meux qui se trouvait au milieu. Suite à la volonté de certains adhérents de créer un nouveau groupe et de l'aider à se développer, certains chefs et responsables de l'équipe de groupe de Passé ont migré à Montfort-sur-Meux. Depuis 5 ans maintenant, le groupe a fait sa première rentrée avec une vingtaine d'enfants et comporte actuellement une petite centaine d'adhérents en septembre 2021. Tous scouts, nous marchons sur les traces de Marcel Callot, dont le nom figure sur notre bande de groupe. Un Rennais, martyr du nazisme, mort à 24 ans en camp de concentration au nom de sa foi. Il est également scout. En effet, il y a quelques années, nous avons été invités par l'évêque Monseigneur Pierre Dornelas pour nous retrouver. 85 ans plus tôt, Marcel Callot prononçait sa promesse scout. Nous avons donc pu porter fièrement le drapeau et les couleurs de notre groupe, et avons également pu les montrer à la sœur de Marcel Callot. Aujourd'hui, ce nom résonne en nous comme un héros. Il a marqué nos mémoires, car aucun peuple n'est à l'abri d'un tel régime. Le nom de notre groupe permet donc d'immortaliser son histoire en signe de mémoire de ses actes. Nous avons cette chance de présenter à nos adhérents l'histoire de Marcel Callot comme étant un sauveur et un messager de foi. À présent, nous nous apprêtons à fêter le centenaire du bienheureux Marcel Callot en hommage à son message de résistance spirituelle. L'ouverture de ce groupe est pour nous notre contribution à ce travail de souvenir. Nous vous donnons donc rendez-vous le 5 décembre 2021 à 10h30 à la cathédrale Saint-Pierre à Rennes pour cet événement. Bonjour, moi c'est Gladys. Je suis pionnier caravelle dans le groupe Marcel Callot. Je sais que Marcel Callot est né à Rennes, qu'il a été scout et que quand la guerre est arrivée, il a été envoyé en Allemagne où il a fait de la résistance, puis il a été arrêté par la Gestapo, déporté et il est mort d'épuisement. Moi, je suis plutôt fière de faire partie du groupe qui porte le nom de Marcel Callot. Pour moi, Marcel Callot, c'est avant tout un résistant qui a continué à vivre et à faire vivre la foi malgré les interdictions et les risques. Je pense que pour les scouts et pour les jeunes, ça peut être un bon exemple. Bien, votre exposé était vraiment très clair, très convaincant, donc il n'a pas suscité de questions. Merci beaucoup. Rendez-vous est donné à tous le mercredi 1er décembre à 20h30 pour poursuivre l'approfondissement et de la vie et de la pensée de Marcel Callot avec la présence des scouts d'Europe, des scouts unitaires de France et du MEJ. Et pour clore cette soirée, je citerai Monseigneur Pierre Dornelas. Que Marcel, qui sera certainement un jour canonisé,
prient pour nous et nous obtiennent du Christ la grâce de reconnaître la grandeur, la beauté et la joie de notre mission de chrétien. Très bonne fin de soirée à tous et bon retour.